Je vais m'assurer d'abord que la connexion passe très bien. Et bien entendu, nous avons une trentaine de minutes à passer ensemble. Je vous exhorte de partager ça, de partager rapidement. Je salue Joseph, je salue Joey, je salue Léopold, je salue également Enis qui est avec nous. Et je vous exhorte de partager parce que je n'aurai pas assez de temps à faire avec vous. Mais j'ai un coup de gueule à passer très rapidement. Vous le savez que je mets toute une ardeur pour pouvoir vous informer, pour pouvoir vous passer les informations en temps réel. Mais lorsqu'il y a urgence, je viens toujours en live pour épiloguer sur un ensemble de sujets. Je salue Mirabel, salut également Asena, partagez rapidement. Je vais m'assurer que le volume passe bien. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement? Mettez juste 5 sur 5 ou 10, ou bien 10 sur 10. Donc, dès que la musique va finir, nous allons commencer. Salut Emmanuel, salut également à Bosman. Oui, nous avons deux sujets. Là, il faut d'abord que la musique finisse. Salut Armand, salut Philemon, salut tous ceux qui se connectent. Salut également Eugénie. Salut à tous mes fidèles téléspectateurs, à tous mes fidèles internautes, ceux qui me suivent minutieusement et qui ont confiance en mes informations et en mon combat. Salut également à Winnie, salut Hortense, salut à Serge Chalin. Oui. Salut également à Lily. Dès que la musique finit, nous allons lancer. En attendant que nos internautes se connectent. Salut Armand, le volume est bon, merci. 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 Oui. Je salue également à Jean-Louise. Bon après-midi à vous tous. Partagez rapidement. 20 sur 20. Merci. Bon, je ne dois pas perdre le temps avec vous. Je vais arrêter la musique. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, une fois de plus, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tage officiel. Alors, pour les 30 minutes que nous avons à faire, nous avons deux sujets. D'abord, une fois de plus, vous savez que le président Maurice Kamto a porté plainte contre les assassins et nous allons en parler. Bien entendu, nous allons revenir sur les contradictions du gouvernement. J'ai posté quelque chose ce soir ou bien hier soir et je n'ai pas encore épilogué là-dessus. Vous savez, je ne poste pas les informations pour plaire aux gens. Je ne poste pas les informations parce qu'il faut poster ou bien pour faire du buzz. C'est parce qu'il y a un sens que je vais donner à cette information. C'est parce qu'il y a une portée autant pour moi. Il y a une teneur, il y a une ampleur que je vais donner à l'information. Et il y a un message, ok, quelque chose de substantiel, de pertinent que je veux passer derrière ce message que je vous passe tous les jours. Alors, je voulais revenir sur cette tentative d'assassinat. Le président Maurice Kamto a porté plainte. Je voulais d'abord dire merci président. Merci à notre leader, n'est-ce pas, de cette résistance pacifique. Qui a su par son abnégation, n'est-ce pas, par sa détermination et a porté plainte carrément pour que ces gens, ces assassins qui ont été envoyés une fois de plus, et je le dis, par le régime en place pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Salut Bakas, je répète, je dis encore ceci. Ceux qui ont voulu tuer le président Maurice Kamto ont été envoyés par le régime en place et puis là, j'espère qu'une fois de plus, une fois de plus, que de tourner cela en dérision. Attendez, moi, je vais mettre le chargeur. Je vais mettre le chargeur. Merci. Voilà. Je dis ceci. Ceux dans le régime, parce qu'on sait que vous, là où vous êtes, il y a des clans qui s'opposent au sein du RDPC et qui veulent par votre gouvernement mixte que vous êtes en train de vouloir former sur le dos du président Maurice Kamto, sur le dos de la majorité écrasante du peuple camerounais. Vous voulez formater un gouvernement dit mixte en écartant le président Maurice Kamto, mais vous ne pouvez pas implanter ça. Vous ne pouvez pas appliquer ce plan. Et puis, parce que vous avez plusieurs clans à l'intérieur du gouvernement. Il y a un clan, ce n'est pas tous ceux qui sont dans le gouvernement qui sont en train de mettre sur pied le plan Machiavel contre le président Maurice Kamto. C'est un clan. Il y a plusieurs clans et c'est un deuxième clan dont nous savons très bien qui est en train de mettre sur pied ce plan. Parce que nous savons qu'un autre clan supporte le président Maurice Kamto à l'intérieur du RDPC. C'est l'autre clan qui veut écraser, ok, le clan adverse à l'intérieur du même système qui va à tout prix écarter le président Maurice Kamto pour être plus mieux placé à piloter et à parachuter quelqu'un à la présidence de la République. Nous disons non, salut Hortense, personne ne sera parachuté à la présidence, personne.
Personne ne sera parachuté, piloté à derrière le dos du peuple camerounais, derrière le dos du président Maurice Kamto. Zéro. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore prouvé que vous avez gagné. Vous n'avez pas encore donné les 32 PV. Vous n'avez pas pu le faire. Donc le président Maurice Kamto, jusqu'ici, on maintient le hold-up. Et c'est parce que vous ne voulez pas remettre sa victoire que vous voulez le tuer. Et vous savez très bien, vous savez très bien que vous n'avez pas gagné. Vous savez très bien que M. Biya n'est pas présent. Et vous connaissez plus que quiconque à l'intérieur de ce gouvernement, à l'intérieur de ce système, que Biya a déjà chuté. Et au lieu de remettre la victoire à qui du droit, vous voulez tout faire pour l'écarter avant d'y arriver. Et parce que vous avez échoué, vous n'avez pas réussi, vous voulez les tuer. Vous voulez tuer Kamto. Vous voulez tuer Kamto. Je vous dis, chers Camerounais, vous voulez tuer le président Maurice Kamto. Vous voulez le tuer. Le régime en place de tuer Kamto. Nous n'allons pas accepter cela. Nous allons refuser. Nous disons catégoriquement non à ce plan machiavélique. Vous voulez tuer Kamto. Il faut bien le dire. Vous voulez l'éliminer. Vous voulez le liquider. Nous disons non. Nous refusons. Parce que avant de tuer Kamto, vous allez nous tuer, nous tous. Personne ne peut ôter la vie de Kamto. Je dis non. Je dis non. Nous allons nous indigner. Indignons-nous tant qu'il est en colère. Vous avez compris? Commencez par libérer les militants du MRC. Commencez d'abord par libérer tous ceux-là qui sont détenus illégalement en prison. Commencez d'abord par là. Vous n'allez pas tuer Kamto sur notre dos. Chez Camerounais, il y a une chose. Salut Serge Ndzi. Salut. Je vous dis quelque chose. Parce que si nous baissons un peu la garde, ce qu'ils ont fait là, c'est une tentative. C'était les prémices. C'était les prémices. Et ce n'est rien. Mais les gens sont en train de faire des réunions et des réunions d'urgence. Il y a coronavirus. Ils n'ont pas du tout mis sur pied des vrais plans pour contrecarrer coronavirus. Non. Le plan, les petites réformes qu'ils ont pris hier là, un peu comme la France, l'Allemagne et les autres, c'est du copier et mal coller. Et parce qu'ils copient, ils collent mal. Ils copient, ils collent mal. Ceux qui ont fermé les frontières, ceux qui ont arrêté le boulot et ils ont dit qu'ils vont lever les impôts, au moins pour une bonne période sur les entreprises. L'État du Cameroun, est-ce que lorsqu'il dit il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, est-ce qu'il lève aussi les impôts? Non. On va aller terre à terre. Ça, on va y arriver. Sur l'affaire Kamto. Sur l'affaire Kamto. Parce que c'est ça qui me pousse réellement d'abord à venir en live. Avant d'arriver sur le coronavirus. Ils ont fait des réunions d'urgence. Des réunions d'urgence. J'ai cru que des réunions d'urgence, c'était des réunions pour trouver un plan contre coronavirus. Mais non, hein. Ce sont des réunions pour voir comment on peut tout faire pour que Kamto disparaisse sur la scène sociopolitique camerounaise. Pensez-vous réellement que vous pouvez réussir à faire cela? Pensez-vous que vous pouvez réussir à écarter le président Maurice Kamto, quelqu'un qui a gagné les élections et qui défend son vote? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Impossible. Le président Maurice Kamto est la plaque tournante. C'est le socle même de cette révolution. C'est le socle même de cette révolution. Et donc si vous pensez tuer Kamto pour installer une dictature, pire, une dictature criarde, une dictature encore scandaleuse, nous disons non. Nous disons non. Vous allez passer nos corps pour le tuer, ces messieurs. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il se rend compte que les activistes, peut-être de la diaspora et ceux du Cameroun, sont un peu calmes, on essaie un peu d'observer les événements, ils ont l'impression que non, on a laissé la résistance, on s'occupe déjà d'autre chose. Et donc, ils peuvent faire de Kamto ce qu'ils veulent. Nous, on dit non. On dit non. Vous ne pouvez pas et vous n'allez pas réussir ce plan. J'y vais terre à terre. Ce n'est pas une démarche de méthodologie. Mais c'est question de tirer les oreilles des uns et des autres. Salut Caroline. Soyons éveillés. Chers Camerounais, réveillons-nous. Sortons nos yeux là. Mettons le cerveau en marche. Observons ce régime. Les réunions d'urgence qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des réunions d'urgence contre le coronavirus. Non. Ce ne sont pas des réunions d'urgence pour voir comment construire les routes. Non. Ce n'est pas des réunions d'urgence pour voir comment réaménager nos hôpitaux. Non. C'est un plan d'urgence pour voir comment écarter le président Maurice Kamto, comment le tuer. Et donc vous avez voulu tuer Kamto. J'ai mâché un peu mes mots 2-3 jours, mais c'est le moment. Vous avez voulu tuer Kamto dans le septentrion à Maroua.
Vous avez compris? Je vais vous démontrer. Voici une chose, la photo aussi. Regardez la photo aussi. Regardez. Vous avez vu ça? Vous avez vu la photo aussi un peu de partout, n'est-ce pas? Salut Coco Angwe, vous avez vu la photo aussi un peu de partout, n'est-ce pas? Alors, voici trois photos. Sur la première photo, c'est Yoshua aussi. La première photo, Yoshua aussi. Avec les commandos, les tireurs d'élite à côté qui sont venus, ne m'appelez pas, qui sont venus pour le protéger lors de ses déplacements. Je ne veux pas savoir dans quel cadre, dans quelles circonstances. Lorsque sur la deuxième photo, vous voyez Kabra Libi. Voilà Kabra Libi. Kabra Libi avec des soldats, avec une panoplie de soldats derrière, avec une liste pléthorique de soldats derrière. Ok? Escorté jusqu'aux dents. Vous voyez en bas, troisième photo, là, en bas, le chairman Ni John Fondi. Ok? Donc, voilà Yoshua aussi. Voilà Kabra Libi, voilà le chairman. Voilà les trois personnalités qui sont sorties. N'en déplaise, okay, les orientations, je m'en fous de les orientations. Mais là, au moins, on voit trois personnes, qui trois leaders, que ce soit des partis, transfus du parti au pouvoir ou pas. Mais bon, ils ont quand même une place dans la scène sociopolitique camerounaise. On sait bien que le peuple n'est pas avec eux, mais ils ont quand même une place considérable. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que lorsqu'ils se déplacent, on met un contingent derrière de soldats derrière eux. On met les militaires derrière eux. On met les soldats armés jusqu'aux dents. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ce ne sont pas les petits gendarmes. Ce ne sont pas des petits policiers. Non. Ce ne sont pas des petits soldats qu'on a mis derrière comme ça. Les gars sont armés, prêts. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque vous avez regardé ça complètement, et que vous regardez maintenant le président Maurice Kamto, lorsqu'il était à Maroua, il était là, il s'est déplacé, juste avec son cortège. Je profite pour tirer un coup de chapeau à la Task Force MK 2018 qui accompagne le président Maurice Kamto depuis 2 ans au Cameroun. Je profite pour vous tirer mon coup de chapeau et vous dire, continue le travail, c'est bon. Eh bien, il n'y a que ceux-là qui accompagnaient le président Maurice Kamto. Il n'y avait pas un soldat, il n'y avait pas un policier, même un sangalon, il n'y avait pas. Même pas un sangalon. Il n'y avait même pas un sangalon. Il n'y avait même pas un sangalon. Même pas un petit, je ne sais pas. Sauf le peuple qui était à côté du président Maurice Kamto pour l'accompagner. Mes chers Camerounais, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous dire là? Un monsieur vient avec l'arme pour assassiner le président Maurice Kamto. Le régime de Yaoundé nous fait comprendre que c'était un soldat. Un, duplicité de langage. Premier langage, la gendarmerie nous fait comprendre qu'il s'agit d'un homme qu'on a envoyé pour prévenir tout débordement. Mais il ne s'agissait pas d'une manifestation. Il ne s'agissait pas d'une mobilisation. Le président Maurice Kamto n'était pas dans un meeting politique. Le président Maurice Kamto n'est pas allé faire une réunion politique. Le président Maurice Kamto n'est pas allé à Maroua marcher. Le président Maurice Kamto n'a pas convoqué, je ne sais pas, une réunion particulière du MRC quelque part. Pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il convoque les réunions, lorsqu'il veut faire une manifestation politique, vous connaissez comment ça se passe, salut Kela, vous savez comment ça se passe avec ce régime. On pointait les chars de guerre pour intimider, on a l'impression qu'on voulait livrer la guerre contre les États-Unis, alors qu'on n'a pas encore la guerre. Alors, voici ce qui se passe. Le président est donc seul, accompagné tout simplement du peuple camerounais, et de sa sécurité, un monsieur vient armé, près du président Maurice Kamto avec l'arme. Je pense qu'on a en parlé, mais j'ai l'impression que les Camerounais n'ont pas compris jusqu'où est-ce que le gouvernement a poussé son culot. Et donc, la sécurité du président Maurice Kamto réussit à neutraliser le monsieur. On ne l'a rien fait du mal. On l'a neutralisé. On a pris l'arme, on est allé, on a remis encore aux mains de ses amis les forces de l'ordre. Attendez un peu. Monsieur, Messi, tu dégages d'abord de ma page très rapidement. Merci. Merci. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, on dit qu'il venait encadrer. Il y avait une manifestation? Y avait-il une réunion? Y avait une mobilisation? Non. On vient encadrer, on vient prévenir quel débordement. Lorsqu'il y a juste un cortège qui se déplace de Yaoundé pour Maroua, un monsieur leur suit,
leur suit avec la moto armée et on le neutralise. On nous dit qu'il venait prévenir tout débordement. Et de deux, le régime sort un pseudo-communiqué comme d'habitude. Ils viennent gesticuler, serpenter sur le cerveau du peuple camerounais avec des feuilles de chou qu'ils appellent communiqué, dans lequel ils nous font comprendre que non, il s'agissait des services de renseignement. Les éléments qui sont venus, vous voulez vous renseigner sur quoi? Sur quoi? Pour vous renseigner, vous avez besoin de prendre l'arme et venir sans prévenir, entrer dans le cortège de quelqu'un, aller à quelques centimètres près d'un leader générationnel comme le président Maurice Kamto. Le nom, juste quand on dit Kamto, le nom là devait faire peur. Le nom là devait faire peur. Mais c'est pas Kamto le coronavirus. Allez combattre contre le coronavirus. J'ai envie de vous dire à Yaoundé. Allez combattre contre le coronavirus, pas contre Kamto. C'est pas Kamto le coronavirus. Mettez sur pied des mesures pragmatiques. On a besoin des moyens pragmatiques pour lutter. Pas de dire aux gens, allez rester à la maison. Parce que Macron a dit aux gens, allez rester à la maison. Vous copiez, vous collez mal. Pas seulement ça. On m'a même d'ailleurs dit que les bars sont encore ouverts. Vous, contre le coronavirus, vous fermez les écoles, vous ouvrez les bars. Regardez-moi le paradoxe de ce régime. Regardez-moi le paradoxe de ce régime. Les bars sont ouverts de 7h à 18h. Vous fermez l'école, vous ouvrez les bars. C'est même encore un processus de zombification avancé. C'est un processus d'imbécilisation même et d'idiotisation du peuple camerounais. Ces messieurs qui sont formés contre Boko Haram, qui sont formés contre les terroristes, viennent utiliser leurs forces contre le président Maurice Kamto. Alors que Kamto ne fait que défendre nos libertés fondamentales. Il ne fait que défendre sa victoire et défendre la justice. Et combattre pour que vous mettiez fin à la guerre, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et donc le président Maurice Kamto, je dis merci, portez plainte et que ce régime soit responsable de ce qu'ils ont fait. Et parce qu'aujourd'hui on vous dit que c'était un monsieur qui venait faire le renseignement, c'était un monsieur qui venait prévenir, blablabla. En clair, c'est parce qu'ils ont échoué les plans. Voilà la réalité, voilà la vérité, peuple camerounais. Ils ont échappé à leur plan. Ils n'ont pas pu opérer leur sale besogne. Le service de sécurité du président Maurice Kamto a réussi à neutraliser les assassins. Les assassins n'ont pas pu tuer. Ils n'ont pas pu attaquer machiavélique. Ils n'ont pas pu ôter la vie à notre leader. Immédiatement, ceux qui ont envoyé ces assassins se transforment maintenant en victimes. On appelle ça l'auto-victimisation. En français, c'est l'auto-victimisation. Vous vous auto-victimisez. Vous voulez tourner maintenant tout en dérision. Vous voulez inverser les rôles. Vous voulez transformer le victime en responsable. Vous êtes sérieux là, à Yaoundé? Jusqu'à convoquer notre héros national, un professeur valeureux comme le professeur Alain Foguet. Jusqu'à convoquer un monsieur comme Sosten Meda à l'époque. Une vaillante demoiselle, grande combattante à la hauteur de Miss Pa, vous la convoquez. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vois quelqu'un ici qui dit on veut tuer quelqu'un qui n'existait plus politiquement. Ah, j'étais exactement franc. On vous dit que quelqu'un n'existait plus. On vous dit que le MRC est mort. Le président Maurice Kamto est mort. Le MRC est mort. On ne les voit plus. Ils ne sont plus rien. Mais vous voulez les tuer? Donc, vous combattez quelqu'un qui est déjà mort et qui est déjà dans la tombe. Mais c'est quand même... C'est de la schizophrénie totale. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est mort et on attend que... Voilà, on l'enterre. Vous, au lieu de l'enterrer, vous partez combattre contre lui. Vous combattez contre les morts. C'est quand même terrible au Cameroun, là. Soit un peu cohérent, tant soit peu avec vous. Comment est-ce que, voilà, lorsqu'on sécurise quelqu'un, chez compatriote, voilà comment ça se passe. Voilà. Eh bien, parce que vous avez des pseudo-partis politiques comme ça qui roulent à la solde de l'État. Parce que vous avez des opposants de transit comme ça. Vous avez des partis politiques annexes comme ça. Vous pouvez carrément envoyer les soldats, les encadrer. Heureusement que la force des archives, nous sommes
au 21e siècle, plus rien ne se cache. Voilà les preuves palpables, les preuves tangibles, voilà les preuves convaincantes, ok, qui démontrent de façon manifeste, qui démontrent à suffisance le fait que le gouvernement n'avait même pas seulement l'intention, mais ils ont voulu bien ôter la vie à notre président. Mais ils n'ont pas pu. Dieu soit loué. Mais voilà, je peux répéter 1000 fois. 1000 fois matin, midi, soir. Voilà 3 personnes. Joshua aussi. Voilà Cabral, voilà le chairman. Les voilà. Sécurisés lors de leur déplacement. Regardez. On identifie l'armée. Mais quand on veut tuer le président Maurice Kamto et on n'arrive pas à appliquer le plan machiavélique, on dit que c'était des forces de l'ordre. Quelles sont ces forces de l'ordre qu'on envoie sans tenue? Et même s'ils sont allés faire le renseignement, le président Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. C'est quand même le président du peuple camerounais. Et lorsqu'il se déplace et qu'on devait envoyer quelqu'un, on doit dire au préalable, on doit parler avec sa sécurité, que voilà les hommes qu'on a envoyés, voilà les gens qu'on a envoyés pour te sécuriser. Voilà. Vous ne le faites pas. Des petits serpents à deux têtes, bande d'assassins, criminels à col blanc, vous, tueurs, bandits, état voyous, état malfrat, des vrais brigands qu'on appelle on dit un état. Je dis état bandit, je dis ça. État voyou. Vous êtes dirigé par des malfrats. C'est d'ailleurs inconcevable d'avoir quelqu'un qui a la tête du ministère de l'administration territoriale comme Atangandji. Ça prouve tout. Des escrocs, des anarcheurs. Ils veulent donner quelques leçons de droit aux Camerounais. Quelle morale. Finalement, ils ont un seul programme politique. Comment faire pour tuer Kamto? On peut même écrire les œuvres sur ça. On peut tourner les films. On peut faire même les comédies déjà sur ça. Avec titré, comment tuer Kamto? Programme politique du RDPC. Comment tuer Kamto? Comment faire en sorte que le président Maurice Kamto meure? Comme ça, on va aller au pouvoir. Comment faire tout sauf Kamto? Entre temps, il se gargarise à dire Kamto est mort. Le MSC est politiquement mort. Mais vous les voyez que les gars ne dorment pas. Ils ont l'insomnie totale. Vous jouez avec ce pays, hein? Vous jouez avec les Camerounais, hein? Donc vous pouvez vous coucher à Yaoundé, vous êtes sûr que vous pouvez tuer Kamto comme ça et puis la vie politique continue comme ça au Cameroun, c'est ça? Vous jouez, vous blaguez. Vous blaguez là-bas à Yaoundé. Et ta voyou. J'ai dit ça. Allez dire que j'ai utilisé un mauvais langage, que j'ai utilisé un mauvais langage ce soir. Il dit oui. Bande de voleurs internationaux. Vous volez, vous violez les élections du peuple. Vous faites venir des faux observateurs de la transparence. Les chasseurs d'oiseaux, les bandes de criminels. Pour légitimer, pour légaliser, pour masquer une fraude criarde au Cameroun. Vous mentez au peuple camerounais en faisant venir des bandits internationaux. Vous n'avez même pas encore pu donner les explications sur ça. Quel est cet état? Mais monsieur Atangandji devait fuir dans son trou de rat. Monsieur Atangandji devait, là où les hommes parlent, on ne devait pas voir Atangandji. On ne devait pas le voir. Là où les hommes parlent, on ne devait pas voir ce monsieur. Quel est ce pays? Je me pose des questions. Un monsieur qui a fait venir des chasseurs, des bandits, de bandits au Cameroun, a encore le courage de venir parler devant des professeurs agrégés de droit, devant des avocats émérites de droit. Mais quand même, c'est le monde à l'envers. Jesus, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous savez, attendez un peu, je mets la tablette ici à côté. Attendez là. Vous pouvez imaginer. Parce que des fois, on parle une fois, deux fois, trois fois. On rit, on s'assoit. Mais un monsieur qui a fait venir des bandits dans mon pays, le Cameroun, à Mondo Vision, devant 25 millions de peuples camerounais,
Le même monsieur n'a pas donné les explications. Il a le courage, il a le culot, hein, le dédain, l'outrecuidance de se placer et de dire qu'il va fermer les médias parce que les médias veulent déstabiliser le Cameroun. Il a le courage de critiquer un rapport de Human Rights Watch. Tu critiques ce rapport que toi là, toi, tu as donné les explications sur ton faux rapport de la Transparency International. Quand? Mais c'est comme le monde à l'envers. Un bandit qui veut insulter les hommes intègres au Cameroun, monsieur Attangan, il devait fermer sa gueule. Là où les hommes parlent, ils ne devaient pas parler. Mais c'est de la souillure. C'est on va dire quoi? Mais c'est de l'arrogance totale, hein? C'est un mépris qui n'a même pas de nom. C'est un mépris qui n'a pas de nom. Ça veut dire que vous tous les Camerounais là, ils vous regardent comme des papiers. Pour lui là, vous ne ressemblez à rien. Vous êtes comme des papiers ici, hein? Vous êtes comme des bouts de papier. Vous ne servez à rien au Cameroun. Et le peuple camerounais s'assoit, observe et ne dit rien. On est fier et continue. Et il veut pousser jusqu'à ôter la vie à notre leader, à notre président. Pouvez-vous? Vous avez son CV. Un monsieur qui se bat pour que le Cameroun ne perde même pas un millimètre de son territoire. Un monsieur qui se bat pour que le Cameroun ait au moins un autre visage. Pour qu'un état de droit soit possible. Monsieur Attangan est incapable, si vous lui donnez le microphone, ok, de s'exprimer. De s'exprimer 10 minutes. Incapable. Puisque même pour lire les fameux... Les bouts de papier qu'ils fabriquent de partout là-bas. Et passe tout le temps, hein, vous voyez, avec des slogans creux, genre, quand on vend les œufs, quand on vend les œufs, il ne faut pas attaquer la bagarre. Il a trop fait. Quand il dit ça, non, il a tué. Il a tué. Quand on vend les œufs, on ne provoque pas la bagarre. Monsieur Attangandji, vous allez donner les explications au peuple camerounais. Mais tentez. Puisque vous voulez la guerre à tout prix. Vous n'avez pas, comment je vais dire cela, pour vous, il faut la guerre à tout prix. Il faut la guerre. Pour vous, ça ne vous dérange pas. Si vous avez des caches d'armes un peu de partout que vous avez piloté, en attendant créer la guerre pour vous implanter, pour vous installer et encore de façon éternelle au pouvoir, nous disons non, parce que le président Maurice Kamto y arrivera et pacifiquement, ok, sans prendre les armes, et il y arrivera. La preuve en est, si vous voulez le tuer à tout prix, c'est parce qu'il vous a déconstruit. Vous avez fini toutes vos cartes. Vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes la mort partout sur tous les plans. C'est ça la vérité. Comment un seul homme vous fait agoniser tout un gouvernement de 67 ministres? C'était normal qu'on prolifère autant de ministres parce que vous ne pouvez pas former un gouvernement de 20 ou de 15 ministres. C'est impossible. Vous êtes inerte, incompétent. Je le dis, incompétent. C'est normal. Et donc, en multipliant le nombre de ministres, eh bien, monsieur vient à penser que peut-être qu'on va faire un peu l'addition de plusieurs cancres, ça va donner un peu quelque chose. Mais on se rend compte que plus on les additionne, plus ils deviennent fous, plus ils deviennent idiots. Je le dis comme ça, clairement. Gouvernement de menteurs, gouvernement d'affabulateurs, gouvernement de démagogues. Ils ne vivent que sur des affabulations. J'en ai dit, et je chute par là, en disant que vous avez vu, concernant coronavirus par exemple, j'ai essayé de faire une petite démonstration. Et donc, ne vous fiez pas aux commentaires des petits cybercriminels qu'on embauche chaque moment pour venir un peu nous distraire. Ne vous fiez pas à les commentaires. Désormais, je leur concède cela. Alors, je suis allé sur Twitter. J'ai regardé les posts de la CRTV Web. J'ai regardé les posts du ministre de la Santé, Manaouda Malachi. J'ai regardé. Et donc, j'ai fait 3 captures hier. Qu'est-ce qui se passe? Le 16 à 6h08, je pense, comme ça, ou bien 6h34, Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, publie sur son compte Twitter que on venait comme ça d'enregistrer un 5e cas de coronavirus. Donc, le 16...
Le matin, avant 7h, il y avait 5 cas. Le soir, à 19h08, il n'a pas encore publié. Hein? On n'a pas encore dit qu'il y a un nouveau cas. La CIA TV publie sur son site, sur son compte Twitter, que les 2 cas de coronavirus détectés ce matin ont été guéris. Contradiction parfaite. Contradiction parfaite. Puisque le lendemain, hier maintenant, le 17, le ministre de la Santé, Malachi, le docteur Malachi, bien sûr, publie et dit qu'on a encore, enregistré 5 cas. Donc, si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres du ministère de la Santé publique, nous avons environ, jusqu'à hier soir, 10 cas. Ça, c'est d'abord ce qu'on peut le dire officiellement. Mais si on s'en tient qu'aux chiffres de la CRTV, qui dit le 16 qu'il y a 2 cas seulement, donc ils sont venus entrer en contradiction parfaite avec les chiffres du ministère de la Santé. Ça veut dire que si on retire les 3 cas qu'ils ont balancés comme ça à la touche, on a 7 cas. Donc pour la CRTV et son gouvernement, nous avons 7 cas. Mais pour le ministère de la Santé, nous avons 10 cas. Vous voyez un peu comment ce gouvernement est. Et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis la nuit des temps. Contradiction sur contradiction. Contradiction sur contradiction. Eh bien, vous ne pouvez pas insulter mon intelligence. La CRTV, je vous dis ce soir, vous n'êtes rien. Déjà, un, vous êtes opposé au rapport de Human Rights Watch qui n'était pas enlevé de son site, qui était bel et bien là, avec votre pseudo-intellectuel qu'on appelle Mathias Rico Onanguini, cette autre prostituée intellectuelle, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'il roule au service d'une dictature pour avoir de quoi manger, pour préserver ses besoins de subsistance, pour préserver son estomac, voilà, pour préserver son ventre. Donc, c'est un ventropolitologue. Je l'ai dit ouvertement sur Afrique Média. Je l'ai dit ouvertement sur Afrique Média, en face de certaines cancres qu'on avait mis pour crier sur moi comme des chiens enragés, oubliant qu'on était sur des médias classiques et que la télévision n'était pas Facebook. Comme je m'exprime sur Facebook, si je suis sur une chaîne de télévision avec des docteurs, avec des gens formés, il y a quand même certains principes, certaines règles, des débats qu'il faut tenir. On ne vient pas crier, on n'est pas le chien. Donc ils sont venus crier en face de moi. Mais lorsqu'on a placé une bonne thématique sur la géopolitique, elles sont rentrées également dans leur nid, dans leur petit nid d'oiseau, parce qu'ils n'avaient rien à dire. Pour épiloguer sur des thématiques géopolitiques, il faut en avoir lu quelques mémoires quand même. Il faut avoir une information. Ce n'est pas seulement, oh, tu es terroriste. Non, non, ce n'est pas ça. Et donc, c'est sur cette chaîne également que je parlais de ventropolitologue, sans prononcer son nom, mais il a très bien su que c'est de lui que je parlais. Vous avez compris? Et donc, c'est sur la qui était en train de positiver la médiocrité intellectuelle de ce monsieur qui s'est gargarisé à dire que Human Rights Watch avait enlevé son rapport sur le site alors que c'était sur le site. Ils sont allés très loin pour vouloir même intimider Equinox, la chaîne du peuple, parce qu'il a, ou bien elle en tant que la chaîne, a livré l'information en temps réel et la bonne information bien collectée, bien traitée et diffusée avec des bons mots. C'est arrivé aisément chez le peuple camerounais. Vous avez compris? Et donc, c'est la même chaîne là qui part donner des chiffres qui sont contradictoires aux chiffres du ministère de la Santé. Donc, au sein de ce régime, chacun fait ce qu'il veut. Mais le peuple camerounais ne veut plus ça. D'ailleurs, on ne vous a pas choisi. Dégagez. Vous avez compris? Voilà donc cette démonstration là que je voulais faire. Et j'ai mis ça, les 3 photos sur ma page, bien encadrées. Mais parce que ces sardinats, comme on dit souvent, sont l'incarnation de la cancrétude des modernes. Ils ont passé le temps à bouffer, manger, ils n'ont pas compris qu'il fallait s'informer. Parfois, ceux qui ont même fréquenté deviennent bêtes à la limite. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours animés par l'esprit de la négativité. Voilà. Ils n'arrivent même plus à réfléchir parce qu'ils sont traversés par la malhonnêteté intellectuelle, par l'aigreur, par l'ingratitude. C'est fait, ils ne réfléchissent plus. Voilà la vérité. Vous postez quelque chose avec des preuves à l'appui, un monsieur a quand même le courage de venir dire que tu mens. Monsieur Bia a zombifié ces gens pendant longtemps. Donc le processus de dézombification qui a été fait par Maurice Kamto a été tellement aussi brutal et rapide que eux-mêmes ils ne s'en rendent même plus compte. Et puis je termine en disant,
Vous allez passer sur nos corps avant de toucher ce monsieur. Et vous savez très bien que si Kamto, si le peuple camerounais se lève un jour, il ne voit pas le président Maurice Kamto, c'est la guerre que vous avez créée. Et puisque vous voulez la guerre, vous voulez à tout prix la guerre au Cameroun, nous allons refuser. Nous allons combattre pour ce monsieur avant qu'il ne meure. Oui, il ne peut pas. Vous allez nous tuer tous d'abord. Vous jouez un peu, hein? Je me rappelle, avant que je ne parte affronter la garde présidentielle là-bas à l'hôtel intercontinental, il passait tout le temps à dire que vous bavardez. Aujourd'hui, il n'est même plus pied en Suisse. Pourquoi il n'est même plus pied? Il n'est pas pied pourquoi? Tentez, vous jouez avec les gens. Vous jouez. Vous blaguez. Alors, c'était la réalité que je voulais vous dire ce soir. Et je dis merci au président Maurice Kamto d'avoir porté plainte. On sait qu'il dépose la plainte chez les mêmes personnes qui ont mis les gens pour le tuer. Mais bon, vous êtes un légaliste, vous êtes un constitutionnaliste, vous êtes un juriste. Vous avez une démarche pacifique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je vous suis depuis la nuit des temps. Je l'ai toujours dit et que je suis votre idéologie. Nous vous classons derrière vous, le président. Nous, on ne peut pas passer autant encore à accepter une dictature de 40 ans. 40 ans au pouvoir, c'est une dictature vue nulle part ailleurs. Quand même, soyons un peu sérieux envers nous. J'ai vu des gens aller apprécier l'action de Macron, du président Ouattara, alors qu'ils ont à côté d'eux quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir. C'est quand même, c'est pour ça que je dis toujours, les contradictions sont terribles dans ce gouvernement. Tous ceux qui supportent M. Bia le supportent pour deux choses, le ventre, la médiocrité ou la malhonnêteté. Vous le supportez parce que vous avez fait pour préserver vos problèmes d'estomac. Vous le supportez pour préserver vos problèmes de subsistance, pour préserver votre ventre. Ah, pendant que le peuple meurt dans l'arrière-pays, eh bien, j'ai envie de dire que parfois, si on n'a même pas pitié du peuple camerounais, ayez honte, ayez peur de Dieu parce que vous allez tous mourir. Pour terminer, je ressors encore en disant que monsieur Kavaïe Dibri doit aussi accepter et s'incliner devant la loi. S'il a porté la maladie en France, qui n'est pas pollué le milieu sociopolitique camerounais avec sa maladie. Nous disons non. Non, pas du tout. N'allez pas polluer le milieu avec. Vous êtes obligé également de faire votre test, de prouver que vous n'êtes pas malade. Et le gouvernement camerounais, pour copier les mesures qui ont été prises ailleurs et coller bien. Ne copiez pas et coller pour mal coller. Vous fermez les écoles et vous ouvrez les bars. Processus d'imbécilisation du peuple camerounais comme vous l'avez fait toujours. Chers Camerounais, soyons désormais éveillés et mettons-nous prêts. Que le régime ne tente même pas. Rien n'arrive au président Maurice Kamto. Rien. J'ai dit rien n'arrive à ce monsieur. Vous jouez. Vous blaguez. Vous dites qu'on a fait quoi? Et vous blaguez là-bas à Yaoundé. Vous blaguez là-bas à Yaoundé. Quand on parle, vous pensez qu'on est en train de jouer. Vous avez liquidé notre vaillant combattant, Maître Sylvain Swap. C'est passé. Nous n'avons pas réagi. C'était bon, c'est bien, non? Continuez. Alors, le Cameroun est déjà déchiré. Ne cherchez pas encore à déchiqueter tout. Voilà pourquoi j'étais un peu plus fâché ce matin. J'ai dit merci, président Maurice Kamto. Portez plainte aux mêmes personnes qui ont envoyé les gens pour vous assassiner. Mais le peuple est derrière vous. Nous sommes derrière vous jusqu'à la fin. Nous sommes derrière vous. Parce qu'une dictature de 40 ans, c'est impossible. Et parce que oui, vous avez prouvé dans votre programme politique. Oui, vous avez une idéologie. Pour connaître ce monsieur, il faut lire son idéologie. Lisez son livre. C'est un monsieur qui a fait une phase théorique et il est dans sa phase pratique. Et il n'est là que pour sauver le peuple camerounais. La moralité de ce monsieur et de tous ceux qui l'accompagnent démontre à suffisance qu'ils sont là pour vouloir relever encore le Cameroun que M. Bia a détruit depuis la nuit des temps. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Dans toutes les élections organisées au niveau du Cameroun, les élections présidentielles antérieures, eh bien le Grand Ouest a supporté le satrape,
le satrapeau reptilien, comme le président, comme le professeur Niamsi dit parfois. Moi, j'aime utiliser le bon exemple. Je ne suis pas ingrat. Soyez des moins ingrats. Moi, quand quelqu'un me dépasse, je porte son sac. Fais pas l'ingratitude. Non. J'utilise les thèmes que quelqu'un a utilisés qui sont bien pour avancer. C'est comme ça que ça se passe. Le gars a supporté dans toutes les élections organisées antérieurement au Cameroun, toutes les élections présidentielles, même les députatives. Le gars a supporté le satrapeau reptilien de Yaoundé, le kleptomane à Yaoundé, avec toute sa banque, toute sa clique. Mais aujourd'hui, accepter en même temps que le président Maurice Kamto a prouvé qu'il avait mieux à faire que vous. Il avait mieux à proposer que vous. Et nous autres, nous ne regardons que la pertinence, le travail. Nous ne regardons que le travail bien fait. Vous êtes bon, on vous supporte. C'est tout. Et aujourd'hui, ne tentez pas à dire qu'on le supporte parce qu'il était l'Ouest. Bon, ok, parce qu'il est de l'Ouest. Et ceux des Betty et Kang, les Bassa, tous autres, qui sont dans la lutte avec nous là, le supportent parce qu'il est quoi? Il est aussi Betty, il est autre. Lorsque vous n'avez plus rien à proposer, dégagez tout simplement que de chercher à exister par des théories farfelues, par des théories sordides. Genre, il est d'ici, il est de l'Ouest, il est du Nord. N'importe quoi. Vous pensez, vous pouvez encore tromper le peuple camerounais avec ça? Vous ne pouvez pas. Nous n'allons pas succomber. Nous n'allons pas tomber sur votre instrumentalisation. Zéro. D'ailleurs, autant que nous existons, je suis très fier avec Mark Zuckerberg. Parce que tant que vous allez mentir, ceux des Camerounais qui ont vomi vos chaînes de télévision et qui se sont amassés chez nous dans des réseaux sociaux, ils vont comprendre la réalité. C'est ça la vérité. Fatima, il dit que tu seras plus intéressant si tu trouves... si tu trouvais les solutions pour coronavirus, n'est-ce pas, non? même les sociétés occidentales qui sont plus développées et ont des moyens plus sophistiqués n'ont pas encore des solutions. On prévient, on essaie de prévenir, de guérir comme on peut. Comprenez tout simplement les moyens qu'on a mis chez vous pour prévenir également. Alors, salut Rapido Design, Solange, vous salue vous tous. Et voilà, on était ensemble, nous étions ensemble. Je vous aime, je vous adore. J'aime tellement ce combat où j'y suis entré par ma force, par ma détermination. Et c'est pour ça que je ne laisserai personne me détruire dans ce combat. Personne ne pourra. Ils n'en ont pas les moyens. Pour détruire Martin Tajou, il faut avoir la compétence de ses compétences. Parce qu'un combat où tu y entres, j'ai donné la grande partie de ma vie. J'ai sacrifié même une grande partie de mes études pour ça. J'ai prorogé mes études. J'ai eu de la peine à les terminer. À cause de ce combat. Pour ceux qui me connaissent, il y a de cela 2 ans, j'avais les mêmes t-shirts. 2 ans après, j'ai les mêmes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis dans la même maison. Je roule même à pied. Avant, j'avais la voiture. Ah, attention. Attention. Donc, quand on a mis tout sa vie et on y entre par son cœur, par son esprit, on nous donne tout pour ça, volontairement, bénévolement. C'est pas facile de détruire, de détruire quelqu'un. Et donc, ce régime doit le savoir. Si nous étions payés ou financés pour mener ce combat, nous n'y serions plus. Je n'y serais plus. Mais là, c'est jusqu'à la gare. On était ensemble, c'était Martin Tajou. Pour ceux qui critiquent, Martin Tajou est devenu journaliste, blabla, blablabla, bluff. Je pense que vous venez de vous abonner sur ma page. Rentrez encore bien regarder. J'ai fait même des comédies pour le combat. J'ai fait tout ce qui est possible. J'en ai des programmes que je suis depuis. Et donc, ce n'est pas parce que peut-être du jour au lendemain, la face de Martin Tajou peut énerver quelqu'un dit qu'il est devenu journaliste. Depuis que j'ai créé des programmes réflexion politique, grand débat politique depuis. C'est pas aujourd'hui à s'y opposer. Donc, c'est ça aussi. Et puis le combat, je vous ramène, je vous le dis, est communicationnel. Le combat est aussi communicationnel. Vous avez vu ce que le criminel Obama a sorti sur le président Maurice Kamto? Vous avez vu ce que le criminel a fait? Il sort une vidéo pour dire Kamto était dans les affaires de Galim, dans les attaques de Galim, mais c'est cela. On l'attache aux terroristes. Vous voulez, Martin Tajou reste tranquille?
Il ne fait pas des choses proportionnées pour répondre à ces histoires, à ces inepties fabriquées de toutes pièces. Vous jouez un peu. Je pense qu'il y a certains tontinats qui sont déguisés en sardinats. On pense que c'est des tontinats, là. Faites très, très attention. On était ensemble. Voilà un autre. L'actualité, c'est coronavirus. Comme tu passes après. Hier, quand j'étais en train de parler de coronavirus, qui était où? Vous êtes toujours traversé comme ça. Vous choisissez ce qui vous convient. L'actualité, c'est coronavirus. Hier, il a fait tout un live sur coronavirus. Tu étais où? Je n'ai pas vu. Je n'étais pas vu. Aujourd'hui, quand il dit comme tout, l'actualité, n'importe quoi. Allez, on était ensemble. J'adore tous ceux qui me suivent. Et je sais bien quand quelqu'un se déguise en sardina sur mes posts. Je vous adore, je vous aime. Je vous ai dit, je suis comme Kamtou. J'aime tout le monde. Et surtout, je ne fais pas de combat partisan. Je ne fais pas de combat partisan. Peut-être avant, j'ai failli tomber dans ça. Je ne fais pas de combat partisan. Non, 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 non. Pas de matin, t'as joué. J'ai toujours été libre de moi. Et j'en serai comme ça jusqu'à la gare. Là où ça va, moi, je tire. Là où c'est bon, on apprécie. C'est pas la formation des clams, non, pas du tout, pas du tout. Je vous adore, je vous aime, c'est du matin, tajou. Je n'ai pas d'amis dans le combat, je n'ai pas de groupe dans le combat. Je n'ai pas de groupe WhatsApp ou Facebook ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de syndicat, je n'ai pas d'organisation, pas du tout. Mais ce combat-là, chacun y va de sa propre créativité et met ce qu'il connaît de mieux de lui dans ce combat pour que ça avance. C'est bon, je vous adore, je vous aime. Ciao, ciao, passez une bonne journée. C'était Martin Tajou.